La Caisse des jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Voici les principaux titres pour cette semaine. Gros travaux à Cap d'Espoir. Écoutez, nous, ça fait quand même longtemps qu'on observe ce tronçon-là. Il n'est pas de juridiction municipale, donc c'est une route provinciale. Je ne vous cache pas qu'à chaque année, on a des rencontres avec le MTQ qui nous présente la programmation des années à venir. Grande-Rivière accueille le gala reconnaissance de TCRP. C'est leur fête, c'est leur permettre de vivre un moment de reconnaissance et aussi c'est l'activité de réseautage par excellence. Au cœur de la communauté, défendre l'autonomie des organismes. Ça devient épuisant d'être en résistance tout le temps pour permettre aux gens de faire ce dans quoi ils sont bons. La résistance, bon, c'est pas toujours agréable. En fait, on a envie de construire dans la vie. Hein? Mobilisation entourant la pratique des sages-femmes. Ceci dit, la préoccupation, c'est que les sages-femmes vont se retrouver à être vraiment en minorité au sein de ces conseils-là. Puis, à être d'une certaine façon sous l'autorité de la direction médicale. Denrées sèches demandées à Chandler. On répond bien à la demande, sauf que les denrées commencent à devenir un peu plus rares pour nous, parce qu'il faut qu'on les achète nous aussi à l'épicerie. Un circuit multifonctionnel en devenir à Barachois. Il y a un projet aussi de passerelle qui va être mis en œuvre par le ministère des Transports pour pouvoir justement faciliter la traversée au-dessus de la rivière. Ça va être une passerelle parallèle au pont. Barachois, 6 panneaux historiques inaugurés. Pour indiquer l'histoire tous de la Micmac jusqu'à, pas présente, mais l'histoire avec les industries de pêche et de bois. Et la revue de presse. Bonne émission. Revue de presse. Bonne émission. La Caisse des jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information au Reflet d'ici. Bonne émission.